grâce au programme de maintenance continue, mais d'achever les alliances ont atteint un niveau de viabilité de 99,4%, ce qui en fait les premiers au monde catégorie. Depuis le 14 mars 1991, Air Alliance a reçu le titre officiel de centre de maintenance agréé du ministère des Transports. Par une vérification constante des avions, les employés font avant tout de la prévention à long terme et cherchent à déceler tout ce qui empêcherait le bon fonctionnement des opérations. Leur rôle premier étant de fournir des appareils sécuritaires, ils peuvent ainsi maintenir un haut degré de disponibilité en respectant les horaires. Tout ce qui est soumis à la réglementation des transports, aux directives des différents manufacturiers, ainsi qu'aux manuels de navigabilité, fait appel à la compétence des inspecteurs, des gens de l'avionique et des mécaniciens. Sous la responsabilité du directeur, l'équipe veille également à l'inventaire des pièces, à l'achat de l'équipement, ainsi qu'à l'approvisionnement en pétrole. Dans cette atmosphère de camaraderie où règne la confiance, chacun a le sentiment d'assurer la fiabilité et la sécurité de chaque appareil. L'actualité du service fait la renommée d'Air Alliance, il faut y voir un effort constant de répondre aux exigences du marché. Cœur et centre nerveux des opérations auxquelles se rapportent tous les pilotes, chaque jour, les répartiteurs planifient le déroulement des arrivées, des départs et contrôlent les retards. De plus, ces derniers assurent le lien délicat entre la maintenance et les pilotes afin de garantir à tous le maximum de sécurité et de confort. Dans ce lieu où se donnent les affectations et s'effectuent les changements d'équipage, pilotes et agents de bord prennent connaissance des nouvelles procédures et des bulletins techniques. Misant sur la qualité du service et sur la sécurité à bord, les agents s'informent de toutes les conditions de vol et des nouvelles procédures d'urgence. La communication étant à la base de ce travail d'équipe, les passagers sont assurés d'un service hautement professionnel et peuvent voyager en toute tranquillité. Ceux qui contribuent au développement de l'entreprise, le client seul en détermine le succès. L'accueil étant de toute première importance, les préposés au comptoir se doivent d'assurer leurs clients sur leur destination tout en facilitant leur embarquement. D'autre part, la présence du personnel navigant est susceptible d'établir un lien de confiance entre passagers et équipage. Depuis 3 ans, Air Alliance a connu une croissance rapide.
Ses obligations et ses responsabilités n'ont cessé d'accroître les besoins d'organisation et de planification. Support de toutes les opérations, les employés et les cadres veillent à tous les aspects de l'entreprise. Par un travail d'équipe soutenu et un sens profond de l'engagement, chacun participe de façon essentielle à sa réussite. Tout geste, toute intervention s'inscrit donc dans une démarche où chacun a présent à l'esprit la responsabilité de tous. Qu'il s'agisse des services administratifs, de la comptabilité, de la mise en marché, chaque département contribue à la croissance d'Air Alliance. À la base de cette étroite collaboration, le service en vol, l'équipe de vente et le service à la clientèle visent à rejoindre les passagers au cœur de leurs préoccupations. L'intérêt porté à chaque étape de l'organisation, ainsi qu'une meilleure connaissance des différentes facettes de la gestion, voilà ce qui définit, entre autres, l'équipe d'Air Alliance. Qu'il s'agisse des ressources humaines, de développement, d'informatique, de formation, rien n'est négligé pour accroître l'efficacité de tous. La formation permanente à tous les niveaux permet de maintenir de hauts standards de qualité. Les pilotes, appelés au perfectionnement, doivent régulièrement répondre aux exigences gouvernementales en matière de transport.